Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à au moins 50 mètres de distance avec le Ray Gun. Alors le Ray Gun c'est une nouvelle arme qui vient d'être disponible à partir d'aujourd'hui, donc c'est cette arme-ci, celle-là plutôt, voilà c'est celle-là. Donc vous pouvez en trouver dans des coffres et poser au sol comme ça sur l'île de Fortnite, donc sur la map de Fortnite. Et ce que vous allez devoir faire maintenant c'est d'infliger des dégâts à un adversaire. Vous allez devoir infliger 500 de dégâts à un adversaire qui a au moins 50 mètres de distance. Donc pour savoir à combien de mètres de distance vous êtes, bah vous pinguez. Là voilà, je suis à 50 mètres de distance, donc il faut que la personne soit plus loin que le ping que je viens de mettre. Alors pour pinguer, moi c'est flèche de gauche. Si vous ne savez pas comment pinguer, vous allez dans vos paramètres. Ici vous allez dans votre paramètre manette, dans personnaliser, et là il est marqué placer marqueur. Donc vous sélectionnez une touche que vous voulez mettre, moi c'est flèche de gauche, et vous cherchez le mot, enfin, la touche placer marqueur pour pouvoir pinguer. Donc ensuite, quand vous êtes chaud pour pinguer et que vous avez trouvé un adversaire, vous allez devoir tirer avec cette arme. Alors quand vous allez tirer, il faut le temps qu'elle charge. Il faut une histoire de 2 à 3 secondes qu'elle charge, donc anticiper le truc. Et en plus, elle doit recharger à chaque tir. Donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, c'est réalisable. Donc là, je vais chercher après un adversaire. Ah, ok, donc il y a un adversaire là-bas. Est-ce qu'il est à 50 mètres? Oui, il est à 52 mètres. Donc là, il faudrait juste que j'arrive à le toucher. Et normalement, je réaliserai une partie de mon défi. Ok, là, je l'ai touché. Je lui ai fait 85. Donc là, bah, ça validera. Voilà, 85 sur 500. Donc là, je dois encore... faire ça jusqu'à 500 de dégâts pour terminer le défi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao, peace.